إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا C'est qui le responsable? Où est-ce qu'ils sont les responsables? Ah, il y a Baba Nabil. Pause. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد من يذكرنا أين توقفنا من درس البارحة من درس الأحد الماضي من المتن من الكتاب أين توقفنا ها؟ في البسملة جزاك الله خير من يقول غير ذلك ها؟ طيب قلنا في الكتاب فهو في البسملة جزاك الله خير وأنت كذلك فتوقفنا في عند البسملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى التي ابتدأ بها كتابه عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم وخذنا في قاعدة أهل السنة والجماعة وموقفهم من آيات الأسماء والصفات ومن أحاديثها كذلك وكان المقرر أنني أخوض في الفرق بين الرحمن والرحيم فأقول وبالله أستعين عند قول المصنف أو المصنف بسم الله الرحمن الرحيم On avait dit la dernière fois que Rahman et Rahim, c'est deux mots différents, mais qui viennent d'une même source, d'une même origine, qui est la miséricorde, qui est Rahman. Les savants ont résumé, ils disent que la différence, c'est que Ar-Rahman, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala khalisan bihi, wa ma'nahu dhur rahmatil wasi'ah. La miséricorde, la vaste miséricorde, inestimable, illimitée, une miséricorde sans limite. Min Allah subhanahu wa ta'ala,
si on a su maintenant la définition, on saura automatiquement que cet attribut ou bien ce nom-là ne doit pas être donné à aucune créature, car l'illimité, la chose illimitée, elle n'est pas pour la chose, elle ne doit pas être à quelque chose qui est limité comme les créatures. Étant donné que les créatures, ils sont limités car ils ont un début, ils ont une fin. Ce qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, هو الأول وليس قبله شيء هو الآخر وليس بعده شيء. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, ce qui n'est pas le cas pour des créatures. Ils ont, chaque créature, elle a un commencement, et ce qui a un commencement, il a automatiquement une fin. Alors celui qui a un commencement et une fin, on ne peut lui attribuer quelque chose d'illimité. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. كل مخلوق لا يجوز أن نسند له الكمال بما أن الكمال هو صفة من ليس بمخلوق وهو الله سبحانه وتعالى والكمال étant donné que l'être humain il n'est pas parfait car il a un début, il avait besoin de quelque chose pour qu'il existe. Ça démontre son besoin. Ceci démontre son besoin. C'est qu'il a besoin de quelque chose qui est plus haut que lui. Quelque chose qui est plus haut que lui, plus haute que lui. Pour qu'il fasse les causes pour qu'il soit existant, pour qu'il existe grâce à des causes. La plante, elle ne peut pas être toute seule si l'être humain, il ne fait pas des graines, il ne place pas des graines, ou bien si le vent, il ne fait pas certaines opérations. S'il n'y a pas certaines causes, la plante, elle n'y est pas. L'être humain, il peut faire, il peut être la cause de l'existence d'une plante. Mais celui qui a été la cause pour l'existence d'une plante, lui-même, il a besoin d'une autre cause pour qu'il soit existant, pour qu'il existe lui-même. Alors, s'il n'y a pas de mère et de père, l'enfant qui a semé la graine, qui était la cause pour l'existence d'une graine, s'il n'y avait pas le père ni la mère, il n'existerait pas. Cela démontre aussi sans besoin. Et le père et la mère, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à deux exemplaires simples, un homme et une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette femme-là existe de cet homme-là. Mais leur début, étant donné, comme on a dit, s'ils ont un début, alors ils sont faibles, ils ont besoin de celui qui les fera exister, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est pour sifat, sifatul kamal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans tous les attributs, dans toutes les qualités qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des attributs parfaits, comme le regard, comme on a dit la dernière fois, l'être humain il regarde, et certains animaux qui ont une puissance dans le regard supérieur à celle de l'homme, tous les deux ils ont un regard, mais le regard de l'homme n'est jamais parfait et pareil à celui d'un aigle par exemple, ou bien certains sens comme l'odorat, il n'est pas pareil entre l'homme et un chien, ou bien entre l'homme et certains poissons comme le requin. Alors, si on a su cette différence entre les créatures mêmes, alors quoi imaginer entre la créature et le créateur? Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vue, un nadar, un ru'ya. Allah subhanahu wa ta'ala, yara ibadahu ma hum amiluna wa ma hum sani'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit.
Mais cette qualité de voir pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Mais nous, lorsqu'on regarde, moi je regarde à côté de moi, je regarde l'assistance. Je regarde toute une assistance à côté de moi, en face de moi. Mais ce qui est derrière moi, je ne le vois pas. Ce qui dépasse les 360 degrés ou moins pour certaines créatures, ils ne peuvent le voir. Ça démontre l'incapacité de ces qualités-là. On peut dire que si on dit la perfection, ils sont parfaits dans le regard, certains animaux, par exemple, certaines créatures, si on dit qu'ils sont parfaits dans le regard, alors ils sont parfaits dans leur catégorie même. Par exemple, quel est le plus qui a la capacité de voir le plus dans la catégorie des oiseaux? Certains ils diraient l'aigle, l'autre ils diraient d'autres races. Ainsi soit-il pour les poissons, ainsi soit-il pour les humains. C'est qui regarde le plus? C'est ceux qui habitent dans le désert, ceux qui ne sont pas touchés par les maladies comme les citadins. Et pour ce cas-là, on peut dire qu'il est parfait, mais on doit rajouter, il est parfait parmi sa race, ou bien il est parfait parmi, il est le meilleur et le parfait parmi les savants, il est le Cheikh al-Islam. Entre les savants, ils ont une connaissance, mais ilmuhu, si on dit ilmuhu, il est parfait, sa science elle est parfaite, c'est bien en voulant dire parmi les savants. Ainsi de suite, on ne doit pas dire que quelqu'un il est parfait, on se tait, on ne rajoute pas quelque chose, comme dit la morale qui dit que nul n'est parfait. Si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a un regard, son regard il est parfait. Sans rajouter, il est parfait parmi les. Non. Il est parfait, la perfection totale. La perfection totale. Dans l'écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, la perfection totale. Ainsi de suite pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sifatu kamal. Le kamal, c'est la perfection. Tu ne peux demander encore plus parce que tu as cerné la perfection dans le domaine dont tu veux parler. Alors, ça c'est en ce qui concerne Ar-Rahman. Ar-Rahmanu dur rahmatil wasi'a. Chacune des créatures, elle a une miséricorde. Mais une miséricorde dans le domaine des créatures. Je veux dire, on n'est pas parfait. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahma, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Mais parmi les humains, étant donné que ce n'est pas un Dieu. Par contre, pour les chrétiens par exemple, s'ils disent que Isa, pour eux, ils l'appellent Jésus, s'ils disent notre Seigneur Jésus, il est une miséricorde, ils veulent dire par là la miséricorde totale et parfaite. Que nous on n'attribue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous savez très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis avec sahaba radiallahu anhu, il y avait un groupe de personnes qui sont venues, ils étaient éblouis en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant ses manières et tout. Alors certains d'eux, ils ont commencé à lui donner ce qu'ils pensaient, à lui dire ce qu'ils pensaient de lui. Alors le prophète, un d'eux, il a commencé à dire Anta Sayyiduna wa ibn Sayyidina, Anta Khayruna wa ibn Khayrina. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a arrêté. Alaykum salam wa rahmatullahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait arrêté, il lui a dit: dites ce que vous êtes en train de dire, ou bien la moitié de ce que vous êtes en train de dire. Mais ne laissez pas le diable vous entraîner, car je ne suis qu'un humain et un prophète. Innama ana abdun, je suis un serviteur.
je ne suis qu'un serviteur. Alors dites, Abdullah, le serviteur d'Allah, wa rasuluhu, et son messager. Innama ana abdun, faqulu Abdullah, wa rasuluhu. Abdullah, wa rasuluhu. Mais ne laissez pas le diable vous entraîner comme il a entraîné. C'est égal, le hadith est déterminé ici. Ça, c'est un rajout. C'est une explication. Alors, il dit, ne laissez pas le diable vous entraîner comme il a entraîné ceux qui étaient avant vous. Ceux qui étaient avant vous, c'est comme les juifs pour Uzair. Qalat al-Yahoud Uzair ibn Allah. Ils l'ont aimé jusqu'au niveau où chacun il essayait de lui donner des qualités pour se montrer comme quoi il l'aime le plus. Moi je dis qu'il est le prophète. L'autre il dit, moi je dis qu'il est encore plus qu'un prophète, il est un messager. Moi je dis qu'il est encore plus qu'un messager, il est messager, prophète, et il sait des choses qui sont du monde caché. Après un autre il vient, il trouve qu'ils n'ont pas encore assez dit. Vient, dit, moi je dis qu'il est prophète, il est un humain, il est un prophète, il est un messager, il sait le caché, hein, il connaît le caché, et il vit toujours entre nous. Et l'autre il dit, c'est lui Allah même. Et ainsi de suite, et Shaitan, na'udhu billah min, il entraîne les personnes comme ça, dans la dérivée, il dévie de. Du chemin, du droit chemin. Comme il était le cas pour les juifs au premier temps, il était le cas pour ceux qui les ont suivis, c'est les chrétiens, et il est toujours le cas pour les musulmans. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr ودراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là, vous allez suivre le chemin de ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire ceux qui vous ont précédé, pas par pas, distance par distance, vous allez les suivre pas par pas, jusqu'à ce que viendra le jour où s'ils vont entrer dans une grotte là où il y a un ours, s'ils vont entrer dans une grotte là où il y a une créature qui va les dévorer, vous allez rentrer et vous allez dire que c'est bien, étant donné qu'ils sont rentrés, on va rentrer, et vous allez rentrer. Alors les sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils ont écouté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam, lorsqu'ils ont entendu ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui attendent la communauté musulmane, ils ont dit, c'est qui ceux-là qui nous ont précédés? Ils ont dit, c'est les juifs et les chrétiens, ya Rasulallah. Or il leur a dit, alors c'est qui? Une question qu'il veut à travers cette question affirmer, c'est-à-dire bien sûr c'est les chrétiens et les juifs, c'est les juifs et les chrétiens. Alors c'est ainsi à Sophia, ils sont rentrés dans ce hadith, ils sont les premiers à être concernés dans le sens de ces hadiths, de ces hadiths qui existent à suivre les juifs et les chrétiens dans l'adoration des créatures. Étant donné qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaît tout, le monde caché il le connaît détail par détail. Et chacun qui veut valoriser quelqu'un plus qu'il ne croit l'avoir valorisé, lui rajoute le monde caché. Comme il est pour Sophia, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est pour Shia, pour Ali ibn Abi Talib, qu'il connaît le caché, le monde caché. Et ils ont même fabriqué et façonné des hadiths qui disent que avant de rentrer au paradis, chacun il passera devant une porte là où il y aura Ali ibn Abi Talib, et c'est Ali ibn Abi Talib qui va faire le tri de celui qui va rentrer au paradis, celui qui ne va pas rentrer. C'est avec l'acceptation d'Ali ibn Abi Talib.
radiyallahu anhu wa la'anallahu shia. Alors, ar-Rahmanu zur-Rahmatil wasi'a. Rahmatun wasi'a. Et ça, c'est confirmé dans d'autres hadiths et d'autres versets. Parmi les hadiths, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous, on est en train de vivre dans une miséricorde. Le fait de commettre les péchés jour et nuit et de ne pas être châtié tout de suite après avoir commis le péché, peut-être même à long terme pour certains. Si on n'est pas châtié directement après les péchés ou à long terme, si on n'est pas châtié après avoir commis les péchés, ça suffit comme miséricorde. Ceci suffit comme miséricorde. Mais certains, pour leur passion, ils ne voient la miséricorde qu'en ce qu'ils veulent eux-mêmes. Pour celui qui veut de l'argent, il ne considère la miséricorde que lorsqu'il viendra une personne et lui dit « Écoute, j'ai de l'argent trop dans la banque, alors je voudrais le faire sortir, je voudrais, parce que j'ai écouté qu'il y a l'intérêt et tout, je voudrais te le laisser. » Tu investis, je voudrais investir mon argent avec toi, je te donne 600 000 francs et tu vois ce que tu fais avec. Ah, ça c'est une miséricorde, c'est Allah. Et s'il viendra une autre miséricorde, par exemple, il a eu une fille, sa femme elle accouche, elle a eu une fille, tout le monde a des garçons, je ne suis pas privilégié, alors ce n'est pas une miséricorde. C'est bien, mais ce n'est pas une miséricorde. Je suis content. Alors ça, pour lui, ce n'est pas une miséricorde. Mais quelqu'un qui veut, qui en a assez d'argent, mais sa passion, elle est dans les enfants, d'avoir les enfants. C'est bien, masha'Allah. Innam al-a'malu bin-niyyat. C'est d'avoir des enfants. Lorsqu'il a une fille, ça y est, c'est ça la miséricorde. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as éduqué, tu lui as appris ça, tu lui as appris. Elle grandit et ça y est. Ou bien un garçon. Pourquoi tu es content d'avoir un garçon? Ah, je suis content parce que mon nom, il va durer. Après moi, mon nom restera. C'est ça ton intention d'avoir un enfant? Ils vont dire, après moi je serai mort, mais ils vont dire ça, c'est le fils de tel. Le fils de Abu Lahab. Le fils de Layth. Fils de Amr, de Zayd, hein? Il sera content, il aura une descendance. Alors ça, innam al-a'malu bi-niyyat. Par contre, une personne qui fait beaucoup d'enfants, il dit, pourquoi tu es content d'avoir beaucoup d'enfants? Alhamdulillah, celui-là, je vais l'envoyer, c'est Cheikh Mokwe. L'autre, c'est Ali Hassan. L'autre, c'est Bataymin. Ainsi de suite. Celui-là, j'ai l'intention de le spécialiser dans le hadith. Celui-là dans sur le fait, celui-là dans le fait. Alhamdulillah. Il a cette intention, à chacun son intention. Et il sera récompensé selon son intention. Alors, si on a vu que ça fait partie des miséricordes. Si quelqu'un, par exemple, il a un problème, un grand problème, par exemple, il a des dettes, et vous savez ce que veut dire ici, dette. Il a des dettes, il doit payer des médicaments s'il n'a pas des allocations et tout. Son enfant, dans cette situation, son enfant, il a eu un accident de voiture. Ça commence à peser lourd. Tout de suite, il est complètement angoissé. Il y aura une personne qui viendra, il surgira comme ça. Il le rencontre peut-être dans chez l'épicier ou bien à l'hôpital, il le rencontre. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Tu as des problèmes? Il lui raconte. Celui-là, il sera convaincu. Il sera convaincu de son histoire, de son besoin, de l'argent. Il dira, voilà, moi, on va faire Inch'Allah par écrit. Alhamdulillah, Allah, il m'a donné de l'argent. Combien tu en as besoin? Il dira, 22 000 francs seulement. Lorsqu'on a besoin vraiment, on n'est pas avare. Lorsqu'on n'a pas vraiment besoin, tu dis que tu as besoin de 22 000 francs, elle est complète.
arrondi, 30 000 francs. Et lorsqu'on a vraiment besoin, c'est à ce moment-là, 22 000 francs. Ça, c'est rien, tu me donnes 19 000 parce que j'ai le reste à la maison. Alors il lui dit, tu as besoin de 22 000 francs, je te donne 50 000 francs. Inch'Allah, si tu as la possibilité de me les rendre, dans une année, tu me les rendras, Inch'Allah. Sinon, si tu n'en as pas, Alhamdulillah, j'en ai assez, Alhamdulillah. Celui-là, comment il va voir cet acte? S'il n'était pas musulman, il va croire que c'est le Seigneur lui-même. Mais c'est ça l'effet sur les cœurs d'une miséricorde. Et ça, c'est vécu. Si ce n'est pas toujours, il faudra ouvrir les yeux pour voir la miséricorde et l'effet d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Comme celui qui demandait de l'argent sans en avoir vraiment besoin. J'ai besoin. Après, une personne lui a dit, tu as besoin de combien? Il dit, 10 000 francs, ça me suffit. Alors, il lui dit, je connais une banque d'organes. Tu viens avec moi, je te présente le responsable. Tu donnes un œil et il te donne 25 000 francs. Il dit, attends, je réfléchis, mais après... Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Et il lui dit, attends, on va faire une greffe de ton bras. Ils vont te donner 50 000 francs. Alaykoum salam. Ils vont te donner 50 000 francs. Ils vont te donner 100 000 francs pour un rein. Mais il va refuser. Après, il lui a dit, tu as plus de 50 000 francs et tu oses parler et dire que tu n'en as pas. Ça, c'est ni'ma, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve. Jour après jour, il te préserve des maladies qui existent, des virus qui entourent ton corps. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la permission qu'ils entrent. Ils sont dans un pays où les virus, ce n'est pas ça qui manque. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les virus de pénétrer, ce n'est pas une opération chirurgicale qui va les faire sortir. Alors il faudra ouvrir les yeux pour voir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'a rapporté l'imam muslim et l'imam ibn Abi Dunya, Rahimahullah, Kitab Husn al-Dhann billah, Azza wa Jal, a rapporté un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99, il a 100 miséricordes. Il a 100 miséricordes. Une des miséricordes, il a fait descendre sur terre pour les créatures. Il se départage cette miséricorde. Alors imaginez-vous la personne qu'on a raconté son histoire pour le prêt lorsqu'il avait besoin pour l'hôpital et les trucs là. Imaginez la personne, si vraiment tu es touché par le même problème, lorsque cette personne, il t'a donné cet argent, il te dit, ça fait rien si tu n'en as pas, ça fait rien, ne me rembourse pas. Ne me rends pas mon argent. S'il te dit comme ça, tu croiras que toute la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-ci, elle est venue sur toi. Mais, rahmatullahi wasi'a. Cette personne, il a pris de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur terre. Et toute mère avec ses enfants, et tout père avec ses enfants, et tout mari avec sa femme, et toute femme avec son mari, et tout mari avec ses pères, avec ses mères, avec leurs grands-parents, et les humains entre eux, qu'il soit ton enfant ou pas ton enfant, tu sentiras de la peine pour lui. Ça fait partie de la miséricorde. Et toutes les autres créatures, ça c'est pour les humains, on va passer pour les oiseaux, on va passer pour les chats, on va passer pour les vaches entre elles, on va passer pour tout ce qu'Allah il a créé, ils prennent de cette miséricorde seule. Et demain, yawm al-qiyama, bi-idhnillah, wa rahmatun wasi'a, iddakharaha, wa tis'un wa tis'un rahma, iddakharaha, ila yawm al-qiyama. 99 des miséricordes qui restent, ils ont été laissés pour le jugement dernier, pour Yawm al-Qiyam.
Ceci pour donner, ça vous donne, ce hadith-là, ça vous donne un aperçu sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit que cette personne, il a commis ce péché, on ne va pas dire la'anahullah. Parce que tu ne sais pas s'il sera atteint par cette miséricorde. Et s'il sera atteint, tu as dit faux. Et si tu auras dit faux, ça reviendra sur toi. Comme il est rapporté dans le hadith, quiconque dira à une personne la'natullahi alayh, ce mot-là il montera vers le ciel pour retrouver sa place. S'il a jeté sur une personne, il va retrouver cette personne-là. Alors il montera au ciel pour qu'il soit, c'est-à-dire, approuvé. Cette parole, si elle n'a pas été dite dans son emplacement à une personne qui mérite vraiment l'ana, elle montera, en voulant dépasser les cieux, la porte lui sera fermée. Alors elle ne saura pas où partir. Elle prendra le chemin de droite. La porte lui sera fermée. Prendra le chemin de gauche. La porte lui sera fermée. Et si elle ne trouve pas de place où partir, elle reviendra sur la personne qui l'a dit. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'a rapporté, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإما كما قال وإلا رجعت عليه. Chaque personne il dit à son frère يا كافر, espèce de kafir, là. On va lui dire de la sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque une personne il dit à son frère il y a kafir, un des deux il est considéré kafir, un des deux obligatoirement. Plutôt elle reviendra, plus exactement, je reviens plus exactement, elle reviendra sur un des deux, ou bien elle partira vers l'un des deux. Soit ce qu'il a dit est vrai, ou bien elle reviendra sur la personne qui l'a dit. C'est pour cela on dit ne vous laissez pas entraîner par les gens de l'innovation à critiquer les personnes dans leur din et à dire tel c'est un kafir, tel c'est un yahoudi, tel c'est un munafiq. Ne laissez pas vous entraîner, car ceux-là, ils se laissaient aller au début de leur existence, ils se laissaient aller à dire kafir sur des personnes qui, à 80%, ils sont des kuffars. À 80%, voire 99% même, qui sont des kuffars. C'est-à-dire, c'est une force probabilité qu'ils ont raison d'avoir dit à cette personne que c'est un kafir. Par exemple, quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Certains considèrent que fort possible que c'est un kafir. Et d'autres savants ils disent que c'est un kafir. Wallahi. Alors, il se laissait rentrer dans ces personnes-là, à viser des personnes-là, pareilles que ceux-là, par de tels propos. Mais lorsqu'ils ont vu que personne ne leur disait « Ettaqillah, arrête de dire kuffar », lorsqu'ils n'ont vu personne qui le faisait arrêter, ou bien lorsqu'ils étaient dans des pays où il n'y a pas de savants, alors cela veut dire qu'il n'y a pas de frein. Ils se sont laissés entraîner. Après, chaque verset qui dit celui qui fait ça, c'est un kafir. Ah, chaque personne alors qui fera cela impliquera dans leur tête que c'est un kafir, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit. Pour eux, c'est clair.
pour les Sahaba radiallahu anhum, ça a besoin d'être expliqué. Ils se sont laissés aller jusqu'à nos jours, où des savants musulmans qui disent Al-Kitab wa Sunnah ala i'tiqadi wa ala fahmi salaf al-umma. Ils croient, ces savants, ils croient en Al-Kitab, Coran, wa Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils insistent, ils disent As-Sahiha wa amal al-Sahaba radiallahu anhum. Après cela, tu trouves, comme on a dit une fois, quelqu'un qui travaille dans un bistrot à Birmingham ou je ne sais où en Angleterre, ou bien qui s'est déplacé en Angleterre parce qu'il a entendu qu'il y a des vendanges. Ni ilm, ni taqwa, ni salat à l'heure, ni radd al-basar, cacher le regard des étrangères, ni s'abstenir à écouter de la musique, il n'a pas cette capacité-là. Après, il dit, Cheikh Ibn Baz, kafir, Albani, kafir murji'a. Mon frère, rifqan bi nafsika. Tuhib an tukaffirhu? Ana ansahuka la tukaffirhu, walakin irfiq bi nafsik. Ya natih al-jabal yawman liyatlimahu. Ishfiq ala al-ra'si, la tashfiq ala al-jabal. Oh toi qui veux vraiment donner des coups de tête, qui veux détruire une montagne avec des coups de tête, et de la peine pour ta tête, non pas pour la montagne. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui c'est de la pub. Si tu veux te montrer que tu es sot dans le din, dis Al-Albani kafir, ça y est, tout le monde t'écoutera. Dis Ibn Baz kafir, tout le monde y t'écoutera. Dis Al-Qardawi kafir, tout le monde y t'écoutera. Wa shattana bayna al-tara wa al-turiya. Wa shattana bayna al-ba'rat wa al-ba'ir. Alors celui qui veut se faire de la pub, aujourd'hui, il se donne la viande des savants, la peau des savants. Mais celui-là, comme il a été dit chez les Arabes avant, c'est comme si quelqu'un il voulait se rendre célèbre. Alors il est parti vers Al-Furat. Al-Furat, c'est un fleuve, en Irak. Comme vous dites, la Seine. Quelqu'un il a voulu faire un effet dont les gens, lorsqu'ils regarderont cet effet, ils vont voir qu'il est. C'est qui a fait ça? Alors ils vont dire c'est tel et tel et tel. Alors il a voulu se rendre célèbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pissé sur la scène. Qu'est-ce que tu as changé de l'autre de la scène? Alors pour cela, on revient à Ar-Rahma. Alors on a dit Ar-Rahma, Ar-Rahman, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu zur-rahmati al-wasi'a. Celui qui a la miséricorde parfaite. Sans aucun remords après l'avoir fait. Il y a des personnes, ils te donnent aujourd'hui, mais demain tu écouteras des bruits. Ah, celui-là je lui ai donné, c'est moi qui lui a donné. Celui-là, si c'était pas moi, il sera pas marié aujourd'hui. Celui-là, je lui ai donné à manger, lui et sa femme et ses enfants. C'est moi qui, si ce n'est pas moi, il n'avait pas mangé. Alors ceux-là, ils ont des remords. Au minimum, ils n'ont pas une bonne intention d'avoir fait ce signe de miséricorde. Et Ar-Rahmanu Zur-Rahmatil Wasi'a. War-Rahimu, les ulama ils disent War-Rahim Zur-Rahmati Al-Wasi'a. C'est-à-dire celui qui a une miséricorde, celui qui a des signes de miséricorde qui atteignent leur but. Ils atteignent le but. C'est-à-dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Celui qui a Ar-Rahman Al-Wasi'a et qui l'a fait parvenir à ceux qui en ont besoin. La fera parvenir à ceux qui en ont besoin. Mais Ar-Rahim,
Ismun min asma'illah, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a attribué lui-même, il l'a attribué aussi à certaines créatures. Il l'a attribué, comme dans le Coran, il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui nous rappelle le verset كان بالمؤمنين رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم سكي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف رحيم الله لا 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 miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala passe à travers le prophète صلى الله عليه وسلم. Pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Rahmatan lil alamin. Et si ce n'est pas la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne pourrait l'être. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le mu'allif, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il a commencé son livre par des conseils, étant donné que le rôle des savants c'est de donner des conseils à la communauté et de donner des conseils à tous les humains, non pas à tous les humains seulement, tous les humains, c'est à dire ins wa jinn, il jinni. Alors il a commencé son conseil en disant sache qu'Allah te soit clément. Dans certaines éditions vous allez trouver apprends, mais ce n'est pas conforme à l'âme. C'est le savoir. A'lam ja'at min kalimat ilm. Alors que apprendre, ça ne veut pas dire obligatoirement un ilm. I'lam rahimakallah. Ça c'est un ordre qui, en lui-même, en disant un seul mot, c'est un ordre, c'est un conseil, et il suffit. Ça suffit en lui-même. S'il te dit I'lam, ça te suffit. C'est un ordre premièrement. Deuxièmement, c'est un ordre sous forme de conseil. Troisièmement, c'est un ordre sous forme de conseil, mais qui contient la science. Et qui t'ordonne d'apprendre. I'lam rahimakallahu ta'ala. I'lam rahimakallah. Alors, regardez les savants lorsqu'ils mettent en application leur science, la science les guidera vers le meilleur des actes. Et un cheikh, l'imam Muhammad, rahimahullah, il a commencé par ce conseil qui veut dire par là, I'lam, sache, qui est la plus noble des choses par laquelle on doit commencer, et la chose prioritaire par laquelle on doit commencer. Il n'a pas dit i'mal salli, il n'a pas dit qatilul ladhina kafaru. Pourquoi cela? Parce que la première révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des premières, plutôt la première, iqra, c'est le savoir. Et l'une des premières révélations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'auteur Ibn al-Imam rahimahullah va le citer après, c'est l'ilm. I'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah.
l'une des premières révélations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de leur donner, avant de lui transmettre l'ordre de faire le da'wah. Étant donné que celui qui fait le da'wah, il doit avoir une science pour la transmettre, étant donné que le da'wah ce n'est qu'une transmission, tu n'as comme objet que de faire une transmission de ce que tu sais, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله للبروفيت صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما قال بلغ وخلاص. يا أيها الرسول بلغ. ماذا أبلغ؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. alors automatiquement tu dois connaître ما أنزل إليك من ربك. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le da'wah, de faire le tablir, lorsqu'il lui a ordonné de le faire, il n'a pas dit balligh wa khalas, ya ayyuha rasul balligh wa khalas. Non, il a été suivi. Balligh quoi? Je balligh mes avis, ce que je pense, ce que j'ai lu dans les livres, ce que j'écoute dans les cassettes. Ou belir quoi? Ou belir ce que j'ai comme sentiment? Ou belir l'énergie qui est en moi, qui veut s'exploser? C'est ce que je transmets? Non. Subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit belir ma unzila ilayka min rabbik. Ma ta'mal amal alladhi. بلغ ما أنزل إليك يعني بلغ الذي أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فإن لم تفعل si tu ne fais pas avec ces consignes, si tu les feras pas, فما بلغت رسالته, ça veut dire si tu laisses ما أنزل إليك من ربك et tu proposes tes avis, ما بلغت رسالته, tu n'as pas encore propagé, tu n'as pas encore fait la da'wah. Tabligh yakunu at-tabligh 'an Allah. Hadha min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il transmet ce qui lui a été révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les sahaba radiyallahu anhum. Tablighuhum yakunu at-tabligh 'an Allah wa 'an rasulih sallallahu alayhi wa sallam. وعن الله ورسوله التابعون ceux qui n'ont pas vécu la révélation يكون التبليغ عن الله وعن رسوله وعن الصحابة رضي الله عنه, étant donné que la guidée elle est basée sur les trois sources qui sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran et la Sunna authentique, et qui est dans la troisième source qui est la compréhension des prédécesseurs, la compréhension des sahaba radiyallahu anhum, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus comme source eux-mêmes, leurs actes, leur compréhension, elle est une source en elle-même, elle est une source en elle-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Alors lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés dans ce verset, Allah il cite que les sahabes رضي الله عنهم, Allah il les a agréés, comme on a dit maintes fois, les a agréés dans quoi? Dans leur compréhension de l'islam, non pas parce que celui-là il s'appelle Amr ou bien celui-là il s'appelle Zayd ou bien celui-là il s'appelle Othman, non, mais les a agréés selon leur compréhension, parce qu'ils ont bien compris, parce qu'ils ont bien appliqué comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Lorsqu'ils ont bien compris et ils ont bien appliqué et ils ont bien transmis, alaykoum salam,
Et ils ont bien transmis, ils ont mérité l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est une source en elle-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر في كي dans le verset il a été révélé dans une époque, l'époque où il a été révélé il y avait sahaba رضي الله عنه أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et le dalil de l'ijma, c'est qui nous le rappelle, le verset de Malik. دليل الإجماع. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Et il suivra autre que le sentier des croyants. C'est qui les croyants? Les croyants d'aujourd'hui? Il n'y a pas un sentier. Alors il faudra chercher les croyants qu'ils étaient sur un seul sentier. Ils étaient sur un seul sentier. C'est qui? C'est dans notre époque? C'est l'époque de Hassan al-Banna? Mohamed Elias? Non. Ça a commencé bien avant. Ça a commencé les sentiers. Alors, là où il y avait le seul sentier, c'est là où c'est sur ceux qui le verset il a été révélé, c'est As-Sahaba radiallahu anhu. C'est As-Sahaba radiallahu anhu. Ils étaient sur un seul sentier, il n'y avait pas de khilaf, c'est l'aqidah, ou c'est usul l'islam, ou c'est fahm l'islam, ou c'est da'wa, c'est turuq al-da'wa ila Allah, ou turuq iqamat al-dawla al-islamiyya. Là, il n'y avait pas de khilaf entre eux. C'était la miséricorde, ils travaillaient avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ils aiment ces trucs là parce que après ils vont venir, ils vont dire As-Sahaba radiallahu anhum, ils étaient une fois, ils allaient vers Khaybar après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit personne de vous ne fait salat al-asr sauf s'il est sur Abana Quraïda. La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraïda. Alors ils disent voilà, il y a une divergence. Ces personnes ils suivent les passions Allah al-Musta'an, Allah al-Afu al-Afiya, et tibbetana ala l'islam ala sunnah. S'il y a une divergence pour cela, c'est comme s'ils disaient attendez, il y a une divergence entre Abu Bakr et Omar. Alors ils se sont divisés, on n'est pas obligé de les suivre. Avant, et vous êtes obligé de laisser Abu Bakr et de laisser Omar et d'aller vers Hassan al-Banna. C'est ça leur compréhension. Suivez l'un des deux, étant donné qu'ils sont tous les deux agréés. Hassan Benna, il est agréé? On ne le sait pas. Allahu a'lam. Nas'al Allah yatajawaza an musi'ina wa nas'al li muhsinina al khayra. Alors, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم. Alors il a dit l'imam Muhammad رحمه الله, il a commencé son conseil en disant اعلم, sache, le savoir, العلم. Et العلم il a un mérite. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui citent le mérite des savants. Parmi ces versets-là, قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. Allah il a attesté lui-même qu'il n'y a point de divinité que lui, et il a fait attester les anges qui voient ce que nous on ne voit pas et qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les a fait attester. Et parmi les humains, il a fait attester les savants. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم.
Ulul ilm, yani ahlul ilm, ashabul ilm, dhawul ilm. Ulul ilm, qa'iman bil qist, la ilaha illah. Regardez ce privilège qu'ils ont, les savants. Regardez celui qui connaît la valeur des savants, comment il les a cités, dans quelle position il les a cités. Alors il a dit, i'lam, rahimakallah. L'ilm, l'ilm chez les savants, les diviser en deux. Les diviser en deux. Il y a deux sciences, deux sortes de sciences. Il y a une science qui tu n'as pas besoin de la prouver. Tu n'as pas besoin d'argumenter certains propos de science. Pourquoi ? Parce qu'ils sont acceptés sans être argumentés. Ce qu'on peut traduire comme science innée. Science innée. Comme par exemple que le feu, il brûle. Le feu, il brûle. Tu n'as pas besoin de faire toute une fraction pour prouver que le feu, il brûle. Celui qui veut, qui touche le feu. Ce sera la preuve formelle. Vous avez une deuxième science qui en a besoin d'être prouvée. Comme par exemple, lorsque quelqu'un il te dit al-basmala, lorsque tu dis bismillah, c'est un des piliers, une des conditions que ton wudu il sera accepté. Ou bien al-niyya, l'intention, il faudra que tu aies l'intention lors de chaque salat, non pas de la prononcer, étant donné que prononcer c'est une innovation, mais faire un niya, provoquer une niya, une intention toi-même avant de chaque salat, c'est une condition de l'acceptation d'une salat. Alaykum salam wa rahmatullah. Quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui est chrétien, il a besoin que tu lui prouves cela. Il a besoin que tu prouves que niya, c'est une condition pour chaque salat ou pour chaque acte d'adoration. Tu es obligé de précéder une intention en toi-même. Or pour cela, on lui donne la preuve. Il nous dira, c'est quoi la preuve? On ne va pas lui dire, non, c'est tout le monde dit c'est ça. C'est connu. Chaque être humain, il sait que niya, c'est obligé. Non, ce n'est pas chaque être humain. Si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, on ne saura pas. Peut-être d'autres preuves, mais il ne sera pas si clair. Innama al-a'malu binniyat wa innama limrin ma nawa. Alors cette deuxième catégorie de science, elle a besoin d'être argumentée. La première science qui n'a pas besoin d'être argumentée, les savants ils l'appellent al-ilmu ad-daruri. Al-ilmu ad-daruri. Tu es obligé d'y croire, tellement il y a de... Par exemple, quelqu'un il dit que Singapour, elle n'existe pas. Il n'y a pas Singapour. Il n'y a pas une place, il n'y a pas un pays qui s'appelle Singapour. Tu iras ici dans les rues, tu demanderas à n'importe qui, tu diras, tu vas un SDF, tu lui demandes est-ce que Singapour ça existe, il te dira ça existe. Tu vas chez un riche man, tu vas lui dire est-ce que Singapour ça existe, il te dira ça existe. Ils ne feront que confirmer. Un Italien, tu vas en Chine, Singapour ça existe, ça existe. En Algérie, Singapour ça existe, ça existe. À Guinée-Bissau, Singapour ça existe, ça existe. Ils l'ont vu. Pourtant, peut-être que aucune des personnes à qui tu as demandé cette science, aucune d'elles peut-être n'est partie en Singapour. Mais ils ont une science, ça y est, muntashir hada ilm al-tawatur. Ilm la yahtaj ila dalil.
علم لا يحتاج إلى أن تدلل عليه. هذه الخواء هذان هما العلمان اللذان بهما يتكون العلم، ينقسم إلى قسمين: العلم الضروري والعلم النظري. العلم النظري نظرية ثيوري ثيوري tu dois prouver quelque chose pour que tes propos soient et pour que tes propos aient un appui. C'est ce qu'on appelle le dalil. Le dalil, كل شيء يوصلك إلى المقصد. Toute chose qui te mène à rendre tes propos véridiques, tout le message que tu précèdes pour arriver à un résultat, tout cela, ça s'appelle le dalil. Et le dalil, ce n'est pas spécialement pour Al-Kitab, Al-Sunnah. Ce n'est pas spécialement Ayatun ou Hadithun an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas ça qui veut. Pure. L'eau, elle est pure. Sauf si elle est changée par trois choses. Rihuhu wa ta'amuhu wa lunu. Rihuhu, ce que tu sens, cette eau, tu sens quelque chose qui est impur. Ta'amuhu, son goût. Ou lunuhu, sa couleur. Si ces trois choses viennent sur l'eau, elle est devenue impure. Si une de ces trois choses viendra sur l'eau, elle est impure. Et avec des détails dans le livre de Fiqh Ibn Allah, on viendra sur l'eau. Alors ce hadith, c'est un hadith faible. Unanimement par les savants de hadith, c'est un hadith faible. Personne des connaisseurs de hadith ne dit que c'est un hadith qui est authentique, étant donné qu'il y a Rishdin Ibn Sa'd. رحمه الله في سند هذا الحديث وهو ضعيف كان ثقة وأدركته غفلة الصالحين كما يقول ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث ضعيف، c'est un hadith faible. Mais la communauté, les savants, ils ont accepté ce hadith, ces critères, ces trois critères dans le hadith, ils les ont acceptés comme signe pour prouver l'impureté du nom. Comme signe pour dire que cette eau, elle est impure. Alors le sens, il est accepté. Le sens du hadith, il est accepté, mais le hadith, il n'est pas accepté. Alors ce que contient le hadith, il est accepté, ce qui n'est pas. Alors ça c'est une preuve. Hada dalil. Quoi qu'il est faible, mais il est fort du côté que du consensus des savants. العلم pour connaître une chose, il y a une règle chez les savants. Il y a une règle chez les savants: si vous voulez connaître une chose, si la connaître vous est difficile ou vous est impossible pour vos capacités, pour les livres que vous aurez chez vous, essayez de connaître son opposé. Quelqu'un il te dira: quand est-ce que je deviendrai alim? Quand est-ce que je veux devenir un savant? Tu pourras lui répondre: quand tu ne deviendras plus un ignorant. Étant donné que la science, c'est savoir. Son opposé, c'est l'ignorance. Son opposé, c'est l'ignorance. Alors, des fois, les savants, ils définissent un terme par son opposé. Ils définissent un terme par son opposé. Comme tu définis At-Tawhid par Shirk. Si tu ne fais pas Shirk, tu es dans Tawhid. Si tu ne fais pas Tawhid, tu es dans Shirk. Si tu n'es pas Sunni, tu es. Tu es Mubtada. Si tu n'es pas musulman, tu es kafir. Ça ne veut pas dire que vous êtes texte. C'est des exemples.
Alors, pour imaginer une chose, si ça vous est difficile, imaginez le contraire. Imaginez le contraire. Celui qui n'est pas mubtada, ça c'est très important. On a dit l'autre, on a dit que si tu n'es pas sunni, tu es quoi? Tu es mubtada. Mais très important aujourd'hui, alaykoum salam wa barakatuh. Ahmed, alors il faudra s'imaginer, on a dit que si tu n'es pas sunni, tu es quoi? Tu es mubtada. Mais c'est très important aujourd'hui, surtout à vous de France, pour ceux qui parlent trop, non pas vous, mais certains, ils se prétendent les tuteurs de Dar al-Salafiyya. En France, il a du mal, il trouve du mal à dire que telle personne c'est un mubtada. Quoi que les savants ils l'ont dit. Et spécialement lorsque les savants ils disent. Et moi personnellement, j'aimerais pas que quelqu'un, j'aimerais pas pour moi-même, ni pour vous, que quelqu'un il s'aventure à dire telle personne c'est un mubtada s'il n'a pas un savant qui l'a précédé. Alors, je dirais. Alors, cela, il. Tu lui dis. Tu dis, c'est, ce n'est pas un. Ce n'est pas un sunni. Il n'est pas sur le sunna. Ce n'est pas un salafi. Telle personne, X personne, ce n'est pas un salafi. Par exemple, celui qui a fait le livre, l'Imad Adamouni. Ou bien son autre livre Ma'alim ala al-Tariq, ou bien son autre livre L'Adalat al-Ijtima'iyya, un de ses livres. Tu lui dis, est-ce que cette personne qui a fait ce livre là, est-ce que c'est un salafi? Il te dira non, ce n'est pas un salafi, ce n'est pas un sunni, ce n'est pas sur la sunna. Tu lui dis alors c'est un mubtada. Il te dira non. Alors quoi, manzila bayna al-manzilatayn, une catégorie entre les deux, comme ils ont fait le Mu'tazila, la bid'a de Mu'tazila, une de leurs bid'a c'est al-manzila bayna al-manzilatayn, ni mu'min ni kafir. Tu es dans une catégorie qu'ils ont innové eux-mêmes. Alors comme j'ai entamé une discussion avec un d'eux, on parlait comme ça sur l'Asha'ira. Je lui ai dit, c'est l'Asha'ira Dullal Dallina an al-Sirat al-Mustaqim. Comment tu oses dire ça? Je lui ai dit, ah, je reviens sur mes propos, c'est Ahl al-Sunnah. S'il dit que c'est Ahl al-Sunnah, il se considérera parmi eux. C'est qu'il ne voulait pas, ce qu'il ne voulait pas admettre. Et il ne voulait pas qu'on lui colle cette étiquette qu'il est Asha'ira. Alors je lui ai dit, ça y est, toi tu dis Mohammed ibn Abdul ibn Taymiyyah et tout, tu prétends que tu es salafi. Mais tu n'aimes pas que tu n'aimes pas dire. Et peut-être il ne se voit pas dans l'obligation de dire que Asha'ira c'est Mubtadi'a. Ou bien c'est Dallin. Dallin an al-Sirat al-Mustaqim. Alors il y a une des deux. Soit tu es sur le droit chemin, soit tu es sur un chemin qui dévie la personne. Une des deux. Tu es sur la sunna ou bien tu es sur la bid'a. Ala wal ilm. Si tu veux définir une chose qui t'est difficile ou que tu n'as pas réussi à avoir sa définition parfaite, il faudra essayer d'imaginer le contraire. Ça c'est une règle chez les savants. C'est une des sortes du savoir. A'lam. L'ilmu يتحصل عليه الإنسان بأمور. عندك العلم، قلنا بأن العلم والجهل ضده الجهل، والعلم إما علم وهو معرفة الشيء أو إدراك الشيء
إدراكا جازما على ما هو عليه. وين الشيخ يجي العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. حكم الذهن الجازم المطابق للواقع أو معرفة الشيء أو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. هذا هو العلم. العلم ولا سيونس c'est idrakushi, c'est connaître la chose, idrakushi, idrakan jaziman. Sans aucun doute, tu as une science sur une chose, mais sans avoir des substances, ou bien tu voudras revenir sur des propos, ou bien j'ai un doute sur un point, je le dis, mais j'ai. Non. Tu as la certitude parfaite de dire que cette chose, elle est de telle. Wa idrakushi, idrakan. جازما إدراك شيء إدراكا جازما في السور لا سيرتيتود إدراكا جازما على ما هو عليه كم إلي أن ليمام tu connaîtras la chose avec certitude sans aucun doute comme elle est en elle-même comme elle est en elle-même et on reviendra dans le sujet إدراك الشيء إدراكا جازما إدراك الشيء c'est connaître la chose إدراك جازم c'est-à-dire qui veut dire par là lorsque les savants ils ont rajouté ce critère إدراكا جازما pourtant peut-être qu'une personne il dira إدراك الشيء تدرك الشيء connaître la chose mais on peut connaître une chose sans avoir la certitude on est convaincu que c'est cela mais on ne peut pas dire que tel ou tel, tel. Quand par exemple, tel est que salat. حكم تارك الصلاة من المسائل العويصة الصعبة على العلماء فضلا عن طلبة العلم فضلا عن من هم دون طلبة العلم. Les savants, ça leur est difficile de juger est-ce que Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne parviennent pas ou bien ils n'ont pas le droit de donner des jugements. Ils ont un jugement, ils ont une conviction sur Tariq al-Salat. Pour certains, c'est un kafir. Il n'est plus considéré musulman, il est hors la communauté musulmane. Pour d'autres, c'est un musulman mais c'est un pécheur. Il commet des péchés pires que de coucher avec sa mère ou bien de faire les plus grands péchés que la personne ne peut s'imaginer de tomber là-dedans. Car le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé comme kufr, ce n'est pas comme le péché qui n'a pas été nommé comme kufr. Al-dhanbu alladhi sammahu Allah kufran laysa kadhanbi alladhi lam yusammihi Allah kufran. Al-hukmu bighayri ma anzala Allah matalan. Huwa kufr wa huwa dhanb. Huwa dhanb ma'siya. Asayta Allah إما أن تعصيه بكفر مخرج من الملة وإما أن تعصيه بكفر لا يخرج من الملة كفر عملي لا يخرج صاحبه من الإسلام هذا هو فهذا كفر الحكم بغير ما أنزل الله بما أن الله سبحانه وتعالى قال فأولئك هم الكافرون فهم كافرون أما هل هم كفار كفرا يخرج من الملة أو كفرا غير مخرج من الملة qui ne les exclura pas de la communauté. Ibn Abbas, on reviendra, Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des élèves, des éminents élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa parenté. Peut-être quelqu'un va dire la parenté n'a rien à voir ici, c'est question de science. J'ai dit la parenté parce que Ibn Abbas c'est un savant, mais en plus c'est une des parentés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il a été rapporté dans le hadith authentique, taraktu fikum amrayni lan tadillu fihima lan tadillu ma in tamassaktum lan tadillu ma in tamassaktum bihima fi riwayatin kitabullahi wa sunnati wa fi riwayatin kitabullahi وآل بيتي أوصيكم الله في آل بيتي qui veut dire آل البيت
c'est-à-dire ceux qui rapportent la science. Et parmi elles, le bayt Aisha radiallahu anha. Alors ça ne veut pas dire que la parenté est du côté de Ali ibn Abi Talib seul. Parce que ceux qui disent cela à Shia, ils ne considèrent pas Ja'far, ne considèrent pas Aisha, ne considèrent pas Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib, ils ne le considèrent pas. La'natullahi ala al-dhalimin. Alors on a dit le... Où est-ce qu'on était? Alors on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'Ibn Abbas radiallahu anhuma, yani Ibn Abbas wal Abbas, walidu radiallahu anhuma, ou Ibn Umar, taqul radiallahu anhuma an Ibn Umar, الذي هو عبد الله عن أبيه الذي هو عمر بن الخطاب. Alors on a dit que Ibn Abbas رضي الله عنهما, non pas seulement il était un savant, mais il était un savant et il était de la parenté du prophète صلى الله عليه وسلم et il était un de ses élèves, mais en plus il a été privilégié par le dua du prophète صلى الله عليه وسلم sur lui qui les invocations des prophètes et des messagers sont exaucées. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل يعني التفسير حبر هذه الأمة يعني كونيسور في القرآن مجاهد الإمام مجاهد من المفسرين وهو من طبقة التابعين قال له اسمه مجاهد ابن جبر مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس وشيخ الضحاك الإمام الضحاك lorsque vous ouvrez les livres de tafsir ابن كثير vous trouvez plein de الضحاك قال الضحاك قال الضحاك c'est l'élève de مجاهد qui est l'élève de ابن عباس الضحاك من مزاحم مجاهد ابن جبر c'est l'élève de ابن عباس il disait مجاهد il rapporte qu'il a dit je récitais maintes fois le Coran du début de Fatiha jusqu'à Sourate An-Nas, je le lisais sur Ibn Abbas et il n'y a pas de verset où il ne va pas m'arrêter. Alhamdulillah Rabbil Alamin, arrête-toi, il lui donne le tafsir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, arrête-toi, il lui donne, consacre tout le Coran. Ibn Abbas radiallahu anhum, lorsqu'il est venu, lorsque Al-Khawarij Al-Ibadiyya sont venus lui demander, ils lui ont dit, ils ont vu un des Omeyyades, un des gouverneurs Omeyyades, qui prenait de l'argent pour certaines fatwas. Alors ils ont dit, حكم بغير ما أنزل الله كفار. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ah, c'est des kuffar, ça y est. Alors ils sont venus à Ibn Abbas, ils ont dit, حبر الأمة. On va lui demander. Regardez comment ils étaient Khawarij. Les prédécesseurs Khawarij. Comment ils étaient Al-Khawarij à l'époque d'Ibn Abbas. Ils revenaient aux savants et ils leur demandaient. Et ils étudiaient chez eux. Ils sacrifiaient devant les professeurs, devant les savants. Et ils apprenaient d'eux. Nafi' al-Azraq. Nafi'un al-Azraq. Hada tilmidun l'Ibn Abbas. Wa huwa ra'isu ta'ifat al-Azariqa. Al-Azariqa, c'est une secte, c'est une filière de Khawarij. Sayyidu al-Khawarij, c'est le fondateur de la secte al-Azariqa. Nisbatan ila Nafi' al-Azraq. C'est lui qui a des questions et réponses. Il a des questions et des réponses sur des parties comme ça, des citations dans le Coran qui sont un petit peu trop difficiles à comprendre. Trop difficiles à les comprendre. Alors il posait des questions sur... Certains, ils ont imprimé un livre, Allahu A'lam s'il est authentique, sur Naf al-Azraq, qui s'appelle Masa'il Naf al-Azraq ibn Abbas. Alors celui-là c'était un élève, mais aujourd'hui il y a 4 ulama,
الخوارج الدوري يقول بأن العلماء كفار إذا لا يطلب علم ولا شيء. الخوارج على ancienne époque النبي صلى الله عليه وسلم يجي يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم يجي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سيخرج من ضأضاء هذا يعني من هذا الخارجي سيخرج منه ذرية أو أقوام يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم. صحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم un compagnon صلى الله عليه وسلم lui a dit si vous allez voir la descendance de celui-là, celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste, tu ne donnes pas de, ta, de ton argent, tu me donnes de l'argent, tu me reviens de droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Considérez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste avec lui. Alors cela, ceux qui étaient, le que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré, il a dit, celui-là, il y aura une génération, une descendance qui viendra. Et il parlait à Sahaba radiallahu anhu. Il leur disait, vous n'allez pas considérer votre prière à côté d'eux. Vous allez vous voir comme si vous n'étiez, comme si dans votre prière, vous n'êtes rien, en train de rien faire. Comme si vous ne faites rien. Qiyam al-layl, Qiyam al-layl sahabi, Qiyam al-layl khariji. C'est qui fait le plus? C'est le khariji. Bi shahadat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui atteste que le khawarij, ils sont plus dans salat, que les sahaba radiallahu anhu. Dans le saum, ils sont plus que les sahaba radiallahu anhu. Mais plus ne veut rien dire. Si tu n'es pas en conformité avec le kitab sunnah, على فهم السلف الصالح فقولك مردود وعملك مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني من عمل عملا في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود على صاحبه في فجزك fait des actes qui ne sont pas en conformité avec ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment savoir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit des hadiths, soit en regardant sahaba radiallahu anhum. Est-ce qu'ils ont rapporté cet acte-là? Est-ce qu'ils ont appris de la sorte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors si on voit que sahaba radiallahu anhum n'ont pas fait une chose, on saura que hada min al-amal al-mardoud. Ça, c'est un des actes rejetés. Alors, on a dit que Al-Khawarij, ils sont venus vers Abdullah ibn Abbas, ils lui ont dit, ça, c'est ce gouverneur, il a pris de l'argent pour un jugement. Alors il a trahi le verset qui dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ il est parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكُمْ كَافِرُونَ كفر. Alors Ibn Abbas radiallahu anhuma il leur a dit إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كَالْكُفْرِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ إنه كفر دون كفر كفر دون كفر آه cela le minimum ce que la personne elle aura dans sa tête c'est que الكفر ce n'est pas un seul c'est deux الكفر مخرج من الملة le كفر que si la personne elle le commet elle, il l'exclura par cet acte là il sera exclu de la communauté mais il y a un autre كفر qui ne le fera pas exclure de la communauté. Comme le half bi ghayrillah, jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un il vous dit sur la tête de mon père. Ça c'est un kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit man halafa bi ghayrillah faqad kafar. Ou fi riwayat faqad ashrak. C'est un kufr, lakin la yukhri sahibahu min al-islam. On ne peut pas dire à la personne qui le commet anta kafir. Pourquoi? Parce que tu as commis un kufr et celui qui commet un kufr, c'est un kafir. Comme il donne la définition al-Mawdoudi, en comprendre l'islam. L'islam, c'est la soumission.
Si la personne elle se soumet pas, qu'est-ce que ça veut dire? Insoumission. C'est-à-dire kofr. Quelqu'un qui commet un péché, est-ce qu'il s'est soumis? Il s'est pas soumis. C'est-à-dire ce n'est pas d'islam. Kofr. Takfir bil kaba'ir. Takfir bil ma'asi. Ada wa amar. Alors c'est de là que vient l'interdiction et le danger que la personne elle commence à juger les personnes parce qu'il a commis un acte de kufr ou bien parce qu'il a commis un acte de fisq ou bien parce qu'il a commis une bid'a. Ce n'est pas n'importe qui qui a commis un kufr impliquera obligatoirement qu'il est un kafir. Ce n'est pas n'importe qui a commis un fisq, obligatoirement c'est un fasiq. Ce n'est pas obligatoirement celui qui a commis une bid'a ou qui est tombé dans une bid'a, c'est un mubtadi'. Quand vous trouvez, ce n'est pas n'importe qui des kuffars, je veux bien préciser des kuffars, ce n'est pas n'importe qui a commis un islam, une apparence d'islam des kofars, que cela obligatoirement le fera devenir un musulman. Wajadtu muslimina bila islam wa wajadtu islam bila muslimin. Aïna l'islam. Husn al-khuluq al-islam. Idan kana l'islam qabla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si on voit les kofars aujourd'hui, par exemple chrétiens, juifs ou autres, on voit qu'ils ont un bon comportement, peut-être que vous allez trouver concordance en lisant une biographie d'un sahabi ou d'une sahabiya. Vous allez dire, ah là là, j'ai connu une française, elle a des akhlaq, on dirait, je sais qui lui colle une biographie d'une sahabiya, Ummu Salama ou bien Aïcha. Ça y est, lorsque tu avais ces bons comportements, c'est une musulmane? Non, il est pareil. Lorsque tu vois un musulman qui a commis un kufr, cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il est kafir. Là, yani, tatabuq al-amra. Fa laysa kull man irtakaba kufr fa huwa kafir, wa laysa kull man irtakaba fisq fa huwa fasiq, wa laysa kull man irtakaba amran yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna sahibahu mal'un fa huwa mal'un. إلعنوهن فإنهن ملعونات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة المتبرجة. امرأة متبرجة صاحبة تستحق اللعنة. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de viser une personne en elle-même et tu dis هذه لعنة الله عليها. Par exemple, il voit une femme qui marche, qui n'a pas de hijab. Dit لعنة الله عليها. Tu n'as pas le droit. L'ana tu tarja alayk pour le hadith qu'on a cité avant. Si elle ne mérite pas vraiment l'ana. Tu ne sais pas si elle le mérite vraiment. Toutes les sœurs qu'on voit aujourd'hui avec le hijab, avec le djilbab, comment elles étaient avant? Si tu voyais une sœur par exemple qui aujourd'hui elle porte son djilbab ou bien son hijab, si tu la vois aujourd'hui, comme elle était, ça fait une semaine seulement, tu lui aurais donné cette étiquette, c'est une mal'oune, anatullahi alayh. Non, la yajouz, ma yasah. C'est ce que nous rapportait le Cheikh Muqbil. Nouadé, hafidahullah, atalallah fi amri, al khayr wa al sunnah. Nous rapportait pour certains frères qui regardaient, qui apercevaient des juifs yéménites d'origine, lorsqu'on les voyait, ils avaient les cheveux tressés comme les juifs. C'est des juifs, c'est pas comme des juifs, mais c'est des juifs. Alors, lorsque certains des frères qui n'ont pas bien commencé à apprendre leur dîne, lorsqu'ils regardaient un juif,
Il avait toujours sa jahiliya. Dans les infos, il voit un juif. Là, la Toubaï Alek. Ah oui, ils ont dit là, la Toubaï Alek. Un juif, il lui dit en face, là, la Toubaï Alek. Alors, ils ont rapporté ça à Cheikh Fadrullah. Ils lui ont rapporté ces propos de certains frères pour certains juifs. Ils ont dit, certains frères, ils disent là, la Toubaï Alek à des juifs. Il leur a dit, il ne vous est pas permis. Étant donné que vous ne savez pas comment sera leur fin. Comment sera leur fin? Vous ne savez pas s'ils vont se convertir à l'islam. Vous ne savez pas s'ils vont se convertir à l'islam ou pas. Alors vous n'avez pas le droit de donner une décision définitive. Et dire la'anatullah alayk, c'est une décision définitive. C'est une décision définitive. Et tu as rendu l'affaire classée de cette personne comme quoi c'est un Yahoudi et va mourir sur le judaïsme. C'est ce que veut dire l'anatullah alayk. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit une fois, on a rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala il dit sur l'ana, sur le sujet de l'ana, l'anatul kuffar, quand est-ce qu'on dit à des kuffar l'anatullah alayhim? Lorsqu'ils meurent. La condition qui est citée dans le verset, c'est la mort. C'est qui nous rappelle le verset? يقول الله سبحانه وتعالى نعم طيب هذان اتفق عليه صحيح قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليكم السلام إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك سلا أولئك لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ceux-là, ceux qui sont morts, ceux qui mourront, on a le droit de leur citer Al-La'na. Ou bien, si tu dis les juifs, la'anatullahi alayhim, tu les dis en général sans viser une personne. Si tu dis Ashab al-Bida, la'anatullahi alayhim, tu le dis sans viser une personne. Si tu dis Al-Fasiqat, wal-Fussaq, ajma'un nisa'an wa rijalan, Al-Fussaq, tu dis la'anatullahi alayhim, sans viser une personne. Car en visant une personne, tu es en train de donner le point définitif sur ces personnes-là. Par contre, les juifs et les chrétiens, Ashab al-Bida', Ashab al-Fujur wal-Fusur, Mal'ounoun, alayhim al-la'na. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de, sur les derniers moments de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'évanouissait et après il se réveillait. Et il s'évanouissait et se réveillait. Une fois il s'est évanoui, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ils ont rendu les tombeaux de leurs prophètes des mosquées. C'est-à-dire ils implorent les enterrés, les prophètes. Alors comme cela, on a su que c'est une condition. On a dit Al-Ilm, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on s'arrête ici pour qu'on commence les sortes de savoir, les sortes de sciences qui existent la prochaine fois, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Allah. Celui qui dit celui qui se rase la barbe, celui qui est dans le mauvais acte, dans le péché de se raser la barbe, il dit, certains disent que c'est un fasiq, celui qui se rase la barbe, que c'est un fasiq. Il dit avec pour seul délil que les savants le disent. Antes de la
Jazakallah khair. On n'a pas le droit, comme on a bien cité, de citer des personnes qui se rasent la barbe, ou bien des femmes qui ne portent pas le hijab, ou bien des personnes, femmes ou hommes, qui écoutent de la musique, on va leur dire directement que vous êtes des foussards. On n'a pas le droit. Et cela, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire à nous. Qu'est-ce qu'on va rapporter encore de plus? Si tu lui dis, c'est un fasiq, est-ce que ta foi va augmenter? Est-ce que ta foi elle va augmenter? Si tu dis, les gens, les gens qui ne sont pas sur la droiture, les gens qui sont... Alaykoum salam. Si tu dis les personnes qui ne sont pas dans le... qui ne veulent pas appliquer la sunna, ils sont dans un grand péché. Bien, si tu dis, ashab al-ma'asi la natullahi alayhim. Fait tabouivat l'imam al-Nawawi fi Riyad Salihin. Ou fi ghayr min kutub. Jawaz la'an ashab al-ma'asi. Bab jawaz la'an ashab al-ma'asi. Ou kama. Alors, on n'a pas le droit de citer une personne précisément. Et ce n'est pas ton rôle. En plus que ce n'est pas ton rôle, ça ne va pas te rapporter un profit, ni à toi, et encore plus sur cette personne-là. Tu le feras exclure. Tu le feras appeler, tu le feras pas appeler à l'islam. Innama bu'ithtum mubashirin wa lam tub'athu munaffirin. Wa lam tub'athu munaffirin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma kanat hadhihi 'adatuhu. Kana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il avait du mal à voir des personnes qui se rasaient la barbe. Comme les deux personnes qui sont venues de Perse. Il a vu une des personnes, elle avait laissé pousser ses moustaches et s'était taillé la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'ayant vu, il s'est fait tourner la tête et regarder dans une autre place. Après, il dirigeait son index sur cette personne-là, il lui montrait son visage lui-même. Il lui disait, c'est qui qui t'a ordonné de faire cela? Alors il disait, l'autre personne répondait, Rabbi, ce qui veut dire Kisra, le roi de Perse. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Ahfou shawari ba wa'afou liha. Wal hadith, Ahfou shawari ba wa'afou liha, amrun, min al-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est un hadith authentique. Et pour certains qui suivent des patients jour et nuit, ils n'ont pas arrêté de faire des recherches jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un hadith pire qu'un mirage. Et il le rapporte dans son livre Al-Halal wal-Haram, le licite et l'illicite. Il rapporte son hadith et en étant content, il a trouvé une faille. Or il dit, il y a un hadith pour ceux qui veulent se tailler la barbe. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il citait dans le hadith là, le prophète صلى الله عليه وسلم, il prenait de sa barbe, de sa largeur et de sa longueur. C'est-à-dire, il se taille. Comme eux-mêmes, ils le font. C'est un hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, est-ce qu'il est authentique? Premièrement, plutôt, d'où est-ce que vous l'avez ramené? Vous l'avez ramené de chez At-Tirmidhi. Vous l'avez ramené de cette source. Si vous l'avez ramené de cette source, pourquoi ne pas être juste et rapporter ce que At-Tirmidhi, celui qui l'a rapporté lui-même, a rapporté? Et il a dit encore plus après avoir cité. N'a-t-il pas cité que c'est un hadith maudou, makdoub ala nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est un hadith mensonger. Comme cela, il y a un menteur. Omar ibn Haroun al-Balkhi, kaddab. Tous les a'imas, ils disent que c'est un kaddab, c'est un menteur. C'est lui qui a rapporté ce hadith et il l'a façonné. Après, vous laissez les hadiths de Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, ils disaient, ihfu shawariba wa'fu liha, laissez pousser votre barbe. Vous laissez ces hadiths là et vous allez chercher un hadith qui est mensonger complètement. Bien sûr, c'est des personnes qui n'ont jamais goûté ce que veut dire al-sunnah et qui ne savent ce que veut dire sil-sanad et qui ne savent ce que veut dire kaddab fil hadith kaddabun wa dajjalun min al-dajajila. On va laisser Malik
On va laisser Al-Bukhari, on va laisser Abu Dawoud, on va prendre Omar bin Haroun al-Balqi, al-Kazzab. Et c'est des personnes qui suivent les passions d'Allah, Moussa'am, Asallah, Ikfina, Sharrah. Une personne qui meurt sans avoir fait la salat dans sa vie, est-ce qu'on doit faire la salat, salat al-janaza, allez, sur lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne faisait pas la salat sur les personnes qu'ils avaient vécu comme musulmans, sur des personnes qu'ils avaient vécu comme musulmans parfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas fait des salats, il n'avait pas fait certaines, sur certaines personnes, il n'avait pas fait salat al-janaza pour avoir laissé, pour avoir fait, ou plutôt pour s'être endetté et être mort sans payer ses dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, est-ce qu'il a une dette? Ils ont dit oui. Il a dit, il a de l'argent, il a laissé de l'argent, c'est-à-dire pour le payer. Ils ont dit non. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas salat sur lui. Après, il leur disait, sallu ala akhi, faites salat sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait à faire salat sur lui. Zadjaran lahu. Pour apprendre à la communauté comment rigoler avec le din. Pour apprendre à la communauté comment prendre à la légère son din. Celui-là, il a commis un acte qui n'est pas kufr. Alaykoum salam. Qui n'est pas un kufr. Mais cette personne qui ne fait pas salat, et ne fait pas salat comme il a cité dans la question, toute sa vie, n'a jamais fait salat. Celui-là, il a commis un kufr. Ikhtalafa al-ulama, est-ce que c'est un kafir ou bien c'est un muslim? Ou bien c'est un muslim aafi? Les deux, il y a un consensus entre les savants, qu'après 3 jours d'emprisonnement pour cette personne, s'il ne fait pas salat, il sera exécuté. Après 3 jours. Pourquoi? Parce qu'une personne qui tu l'appelles 3 jours à faire le salat et il préfère rester en prison que faire le salat, ceci veut bien prouver que dans ce cœur il n'y a que du kufr mukhrij min al-millah. Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Kitab al-Iman. Alors, en tous les cas, il y a la divergence entre les savants. Pour celui qui est convaincu que c'est un musulman, qu'il fasse sur lui un salat. Personnellement, je ne fais pas salat. Ce n'est pas mon avis. Tu viens de parler sur Sayyid Qutb, je n'ai pas cité son nom, en disant que c'est un Mubtadi'a. Je ne défends pas Sayyid Qutb et je ne remets pas en cause les nombreuses innovations que cet homme a apportées et que les savants ont montrées. Seulement, j'aimerais comprendre une chose. J'ai entendu un Cheikh Al-Albani parler de Sayyid Qutb en disant qu'il avait apporté beaucoup d'innovations dues à son ignorance et que l'on ne pouvait dire que c'est un innovateur tant que la preuve
ne lui a pas été donné, et surtout que c'était pendant sa détention. Puis-je confirmer cela ou l'infirmer? Premièrement, la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, où est-ce qu'elle est? Moi, j'ai entendu le Cheikh Al-Albani, il disait qu'il espérait qu'il avait fait At-Tawbah. Qu'il espérait qu'il avait fait At-Tawbah. Cheikh Al-Albani, رجل يعلم وقد لا يعلم من كتب سيد قطب. Il peut connaître des choses ce que Sayyid Qutb il avait dit, comme il peut ignorer des choses que Sayyid Qutb il avait dit, comme il est le cas. Alors ceux qui ont fait une étude complète sur les livres de Sayyid Qutb, c'est bien Cheikh Rabi' al-Madkhali. Il a fait sortir tout ce qu'il y a comme innovation de ses livres même. Et ce qu'il a montré, le Cheikh Al-Albani n'a pas tout su, et il n'a pas donné une décision ferme sur Sayyid Qutb. Il y a des savants qui lui ont fait le niqash pour avoir dit que il y a personne qui c'était un ignorant et qui ne savait pas. Il y a des savants qui ont fait niqash avec lui et qui lui ont montré. Et parmi les propos qu'il a tenus dans certains de ses livres, il rapportait la divergence sur certains sujets de dogmatique, sur certains sujets de aqida. Il rapportait certains propos de certains livres qui traitent les sujets de aqida et qui rapportent. C'est-à-dire des livres qui traitent une étude comparée entre les écoles dans l'aqida. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Sayyid Qutb, il utilisait et prenait de certains livres qui traitent des études comparées entre les écoles, que ce soit Ahl al-Sunnah, que ce soit Soufiya, que ce soit Al-Ash'ariya, que ce soit Al-Jahmiya. Alors, obligatoirement, il avait su, étant donné que les propos qu'il a pris avant eux, avant ces propos-là de certaines lignes, et après ces propos-là de certaines lignes, il existait la parole de Ahl al-Sunnah wa Jama'a, ce qui prouve qu'il a su la vérité et n'a pas voulu revenir. Comme ils ont confirmé certains savants égyptiens à son époque, ils se sont assis avec lui et ils n'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas d'entamer la discussion sur certains sujets dogmatiques. Que c'est un innovateur tant que la preuve ne lui a pas été donnée. Ça reste à prouver. Et surtout que c'était pendant sa détention. Pendant sa détention, il y avait les savants. Dans la détention, pareil. Il y avait des savants qui étaient en détention dans la même époque, mais cela ne veut pas dire que être en détention, ça veut dire explose-toi après que tu sors. Ou bien écris des livres pendant que tu es en détention. Parle au nom d'Allah, au nom de son prophète avec ignorance. Alors, nous, comme il dit à Cheikh Rabir, je ne me rappelle pas avoir dit que c'est un Muqtada, comme le frère l'a cité, je ne me rappelle pas avoir dit Muqtada, étant donné que moi j'ai une conviction que Sayyid Qutb, si on attaque, vient Sayyid Qutb, on attaque Sayyid Qutb, l'auteur, non pas Sayyid Qutb, l'homme qui se repentit et qui tombe dans les fautes. Sayyid Qutb il est mort. Amrohu ilallah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu yaghfir lana wa lahu. Mais ses livres, ils sont toujours vivants. Alors on attaque ses propos, on attaque ses livres, et on attaque les points sur lesquels il est resté avec une foi. Aqida. Fi jahlihi wa fi bid'atihi. Est-ce qu'une personne peut se permettre de faire des remarques ou donner des conseils? S'il y a du bien à en tirer, alaykoum salam wa rahmatullah. S'il y a du bien à en tirer en donnant ses remarques ou bien en donnant des conseils, on est obligé. Les conseils, on est obligé. Bay'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala l'imani billahi wa iqami salat
والنصح لكل مسلم. C'est sur lequel que Sahaba radiallahu anhu ait donné le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. النصيحة لكل مسلم واجب على كل مسلم أن ينصح أخاه المسلم إن أخطأ إن أخطأ سواء كان خطأه صغير أو خطأه كبير. وهذا باب أمر المعروف والنهي عن المنكر، فلازم على كل مسلم وواجب عليه أن ينصح، وواجب على كل مسلمة أن تنصح أخواتها المسلمات، هذا واجب. sinon la communauté ne tiendra jamais debout et on ne saura jamais la vérité des fautes. On ne saura jamais ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas si on ne fait pas de noce. Mais j'aimerais pour chacun que s'il veut faire une remarque sur quelqu'un ou bien il veut faire un conseil, qu'il soit sûr, parce que Al-Amr bin Ma'ruf wa Nahy al Munkar wajib fih al-shart alladhi fih an takuna muhitan bi tilka al-mas'ala. C'est que tu cernes le sujet sur lequel tu vas donner conseil, tu le cernes avec ton savoir. Tu auras une science parfaite dans ce sujet pour parler et pour dire mon frère, tu as commis un péché, tu as dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sahaba radiallahu anhum. Les savants ils n'ont pas dit ce que tu es en train de dire, par exemple. Hein? Mais il y a une différence entre deux choses, entre al-nasiha et al-fadiha. Al-nasiha, ce qui est le conseil, c'est ça se fait entre toi et cette personne-là. Comme il est madhhab al-sunnah wa jama'a fi al-nusr, annaka tanfaridu bihi, annaka tanfarid bil mansuh, al-mansuh lahu. Fa tanfaridu bihi, tu le retires à part et tu lui parles ce que tu as à parler, tu te vides à côté de lui avec la façon qui est la bonne, étant donné que ton intention elle doit précéder ton acte qui sera plutôt de ramener ce frère-là à la vérité et de le remettre sur le rang. De le remettre sur le rang. Hada huwa al-nasiha. من الصحابة من الصحابة كان لا يكفر تارك الصلاة علما بأن عمر وجابر وابن عباس وابن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم، ونعلم بأن قول الصحابة حجة ما لم يختلفوا، فمن منهم لا يكفر. ذكرهم ابن القيم في حكم تارك الصلاة. علم الكلام هذا حقيقة أنه ما ينفعنا أن نبسط الكلام عن علم الكلام ما هو في كل أخصانس بغداش. أخ يطلب مساعدة من الإخوان. أخ يطلب المساعدة من إخوانه، فجزاكم الله خير، لا تبخلوا على إخوانكم إن كانوا في حاجة إليكم. هذا وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.